Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un unboxing qui veut dire unboxing, dit le retour des partenariats. Et oui, ça fait très longtemps que je n'en ai pas eu, mais surtout très longtemps que je n'ai pas reçu de jolis colis à ouvrir avec vous. Cette marque avec qui je collabore aujourd'hui est une marque avec qui j'ai déjà travaillé. Cependant, il y a quelques années quand j'ai voulu arrêter YouTube, eh bien ce partenariat s'est arrêté pour mon plus grand malheur, parce que c'est une marque que j'ai toujours adorée. Cependant, ça restait totalement normal d'arrêter de collaborer ensemble si je ne faisais plus de vidéos, que je ne postais plus sur les réseaux sociaux. Vous la connaissez, c'est une marque que je vous parle très souvent, j'achète très souvent sur leur site parce que c'est là où je trouve les équipements pour mes mini. Aujourd'hui, on va faire un unboxing de la marque Mini Your Shop. Ils m'ont envoyé un joli colis que nous allons ouvrir ensemble. J'ai eu quelques petits échos des articles qui s'y cachent à l'intérieur et je crois que cet unboxing va être de la mignonnerie, mais plus. Donc sans plus tarder, on va ouvrir ça ensemble. Ça ne veut pas. Ouais, c'est pas pratique, hein. Voilà. Oh bah alors, il tient bien leur scotch, hein. C'est pas comme le scotch que j'ai à la maison. Oh loulouloulou, hop. Du coup, voici le colis. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je crois que je vais adorer. Je crois. Oui. Bon, on commence par quoi? Je ne sais pas. Oh. Oh, un petit Nicole. Oh, il est trop beau. Non, regardez-moi ce petit licole trop mignon. En plus, avec de la petite moumoute au niveau de la muserolle et de la têtière en rose, rose poudré. Oh, j'adore. C'est un licole de la marque Mini Your Shop. C'est une taille 2, donc yearling. Ouais. Donc normalement, les tailles 2, c'est pour Bilbao et Gossip. Plus Gossip, Bilbao a tendance à aller sur du taille 3. Selon la marque Mini Your Shop, hein, c'est pas une taille universelle, c'est la taille qui correspond à leur marque. Donc Gossip c'est une taille 2 et Bilbao aussi mais 3. Et Golden c'est taille 1. Voilà. Il est en plus avec des petites strass. Oh là 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 là, il est beau. Oh, encore à l'école. Ouh. Oh, il est trop choupinou. Alors voici le second licole, si j'arrive à. Voilà. Hop, avec écrit I love my mini. Oh, c'est trop cute. Et du coup, il y a l'écriture en vert fluo. Oh, il est simple, mais je le trouve ultra choupi. Et voilà, quand j'irai me promener avec mes poneys, je dirai I love my mini. Comme I love New York, mais moi, c'est avec mes petits. Moi, vous allez me dire, elle est de nouveau gagate, elle a reçu un colis, ça y est. Ouais, mais je suis trop contente. C'est également un taille 2, donc normalement ça ira soit à Gossip ou à Bilbao. Encore un licole. Je crois que nous aurons que des licoles. Non, je vois qu'au fond il y a des choses un peu plus gros. Un petit licole rouge avec le métal en doré. Donc du coup là c'est un taille 3, donc celui-là n'ira que à Bilbao. Non, tu vas être trop beau. Oui, il est beau, hein, Doudou. Ah, oh. Mais cette fois-ci en taille 1. Donc du coup, celui-là, ce sera pour Miss Golden. Et cette fois-ci, l'écriture est en rose. Il est comme l'autre, en fait. C'est juste l'écriture qui change et la taille. Mais il est trop mignon pour Golden. Voilà, bon, Golden, je sais qu'elle a que des licoles pour le moment, mais c'est vrai que en fonction de sa taille, j'ai pas énormément de choix parce que après c'est que du sur-mesure. Donc voici encore un tout petit. Et je kiffe la taille, c'est tout petit. Ah, j'adore, il est beau. Oui, mon doudou. Une petite longe. Une petite longe qui va avec le licole rouge de Bilbao. Du coup, ça fait un petit ensemble. Alors, les petites longes comme ça, j'aime bien, mais c'est vrai que parfois j'aime les un peu plus épaisses, mais du coup, ça va avec le coloris. Du licole. Voilà, ça fait un petit ensemble licole longe. Et du coup, là, je vais vous montrer des licoles, mais je crois que je rêvais d'en avoir pour les doudous, mais c'est vrai que pour leur taille, ça ne se faisait pas dans les autres sites. C'est des petits licoles comme ça. Mais je pense, de ce que vous pouvez voir, vous imaginez de quel style de licole je parle. Oh,
Non, ils sont trop beaux. Les petits licols tout en moumoute. Le licol, il est en nylon, couleur navy. Et on a la moumoute couleur naturelle, blanc. Oh, il est trop beau. Oui, Doudou, recule, t'es dans le champ, Doudou. Il est trop beau. Non, j'adore. J'ai toujours voulu avoir ce type de licol. Je sais, il y en a beaucoup qui n'aiment pas, qui trouvent que ça fait trop kitsch. Voilà, c'est trop de moumoute, c'est trop. Mais moi, je kiffe ce trop. Voilà, c'est des licols que je voulais à mes doudous. Donc du coup, c'est un taille 2. Ouais, taille 2, donc soit pour Gossip ou pour Bilbao. Mais au vu de l'autre qui est dans le colis, je pense que celui-là sera pour Bilbao. Et je vais vous montrer tout de suite celui qui sera, je pense, pour Gossip. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Non, vous n'êtes pas prêts. Du rose, là on ne peut pas faire plus kitsch que du rose, mais je kiffe. On se retrouve plusieurs jours après, lorsque j'étais en train de faire le montage de cette vidéo, j'ai constaté que durant la deuxième partie de cet unboxing, il n'y avait plus de son. Et vu que je ne vérifie pas mes plans avant de clôturer mes tournages, et bien voilà, je me trouve dans l'embarras. Initialement, je m'étais dit, tiens Océane, rhabille-toi pareil, recoiffe-toi pareil, ils n'y verront que du feu. Cependant, s'il y a des bons observateurs, ils constateront que je n'ai plus la même couleur de vernis. Et moi, vu que je suis très pointilleuse sur les détails, je me suis dit, ils vont directement capter. Donc assume, dealer, et on va reprendre du coup l'unboxing. Par conséquent, je connais le reste du contenu, mais je vais quand même vous les présenter. On s'était arrêté du coup avec ce licol là que je trouve ultra mignon. Donc je vous ai présenté l'autre qui était en blanc, mais voilà, c'est très kitsch, hein. Beaucoup trouveront que c'est très kitsch, mais moi voilà, j'adore. J'ai toujours rêvé d'avoir ces licols là, donc je suis hyper contente de maintenant pouvoir les avoir dans ma collection. Franchement, je suis trop contente, ils sont magnifiques. Pour terminer, j'ai reçu deux couvertures dans cet unboxing. Donc les couvertures, c'est pour Gossip et Golden. J'ai prévenu la marque que je recherchais du 200 grammes et du 300 grammes, car j'ai déjà commandé des 100 grammes, donc ça sert à rien d'avoir 100 000 couvertures en 100 grammes. Elles ont la leur, ça leur suffira. Donc la première couverture du coup, ce sera pour Golden. C'est une 100 grammes qui ressemble à ça, donc ça, c'est dans les couleurs violet, bleu, voilà, quelque chose que j'aime beaucoup. Initialement, quand je prends des couvertures, je pars plutôt sur du sobre, parce que voilà, j'ai pas trop envie qu'on voit de trop mes poneys. Cependant, en ce moment, on est en pleine période de chasse, donc avoir des couleurs comme ça qui sont très flashy, qui sont pas habituelles, peut-être que ça donnera une sécurité supplémentaire pour pas qu'on tire sur mes poneys en disant « Oh, mais ça ressemblait à un sanglier !» Oui, évidemment, oui. Sur le devant, du coup, vous avez les caractéristiques de la couverture, donc 200 grammes et en 600 deniers. Et vous avez également le petit logo Mimi Workshop. Elle a l'air déjà bien épaisse, donc c'est super. Voilà, je la trouve super mignonne, c'est un tout petit gabarit, donc moi, je trouve ça trop mignon. Et au niveau de l'encolure, du coup, vous avez de la moumoute pour éviter tous les frottements. La deuxième couverture que j'ai reçue, c'est pour Gossip. Elle est de couleur rouge à carreaux. Donc pareil, c'est également une 200 grammes en 600 deniers imperméable. Oui, j'ai oublié de prévenir que c'était de l'imperméable. Les poneys sont dehors, donc évidemment, ça tombe sous le sens que ce soit de l'imperméable, qui est tout aussi joli. J'aime beaucoup, ça va bien ressortir avec Gossip. C'est les mêmes modèles, c'est juste le coloris qui change et par contre également la taille. Mais du coup, voilà, elles sont hyper mignonnes, j'adore, j'ai très très hâte de les essayer. Vous ne verrez pas tout de suite les essayages, en tout cas pas dans cette vidéo. Il faudra attendre la prochaine pour qu'on puisse essayer ensemble tout ça sur mes loulous. Mais du coup, voilà, l'unboxing est terminé déjà, c'est très court quand on fait des unboxings, mais je suis hyper contente de ce que j'ai reçu. C'est hyper mignon, c'est toujours tout petit. J'adore recevoir ça, franchement. Je suis sous le charme. Cependant, j'ai un petit quelque chose pour vous. Voilà, j'ai un petit code promo à vous partager. Vous pouvez bénéficier de moins 10% sur votre commande avec le code qui s'affiche juste en dessous. Ça fait toujours plaisir. Il faut savoir que la marque Mini Workshop, initialement, c'était prévu plus pour de la taille
mini, donc vraiment orienté sur les petits chevaux. Mais maintenant, ils font également taille cheval, poney, cob, etc. Donc, des glycoles que vous avez pu voir, que j'ai pu vous présenter et qui vous intéressent, il y a de fortes possibilités que vous puissiez les retrouver en taille cheval. Donc voilà, ils se sont vraiment élargis au niveau des tailles, proposant autant pour les petits que pour les plus grands. Et en plus, si vous avez moins 10% sur votre commande, on va pas s'en priver, c'est cadeau, c'est pour vous. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Si c'est pas encore le cas, à vous abonner et à enclencher la petite cloche. Sinon, moi, je vais vous laisser et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut !